Ouais, voilà, en fait, c'est que des... Aïe! Oh non, je m'y... Putain! Et yo, salut à tous et salut à toutes, c'est Pyromaniac et on se retrouve pour l'épisode 2 de Deltarune. Et commençons l'aventure sans plus attendre. Alors, le dernier épisode était particulièrement long, on est d'accord? Ok, esquivons les attaques. Ok, on va l'épargner. Et voilà. On n'est pas obligé de tuer les monstres, donc on va pas le faire, parce que tuer c'est pas bien. Parce que si on tue, après on va se faire engueuler par... par Sans à la fin du jeu, enfin s'il y est. Ok, donc on a rencontré le sort de méchant de tout à l'heure. Enfin, de tout à l'heure. Pour vous, c'est de l'épisode 1. Et on lui demande où est Suzy, mais il a pas l'air de le savoir. Ok, donc dans le panneau, on nous a dit, voilà, dans ces arbres, il n'y a pas quelque chose pour te soigner, non, surtout pas. Donc j'imagine que si on les prend, ça va nous soigner. Si je vais les prendre. C'est des objets pour nous soigner si jamais on n'a plus de vie. Oh, voilà, en gros, il a essayé de sauver son gâteau parce que il a cramé. Bon, on va manger un petit morceau. Ok. Ah ok, on peut leur... Ah non, on peut pas l'échapper. Bon. On va essayer de le convaincre. Tac. Ok, d'accord, maintenant il fait des petits cœurs. Il a flatté le monstre. On va prendre les objets dans chaque arbre, ça peut toujours nous servir plus tard. Ok. Hein? Pardon? J'ai pas trop compris. Ok, donc là... Ah! Ah ok, il faut... Ok, j'ai compris. Il faut qu'on y aille les deux. Donc tac, faut que je mette mon pote aussi dessus. Tac. Et... Allez! Chris, tu n'as pas oublié? C'est que tu peux courir. Oui, j'avais pas oublié. Ok, donc il faut tous les actionner vite fait. Tac, tac. Ok, c'est bon. Bah, super. Attention au labyrinthe de la mort. Prépare-toi à être perdu, les bandes de clowns. On a un coffre, là. Ok, il y avait une armure dedans. Ah ouais. Ok, donc équipons la... On a trouvé une armure. Donc je vous propose de l'équiper. Je sais pas trop qui l'équiper. Ah voilà. Donc on a équipé l'armure à notre personnage. Donc continuons. Si on nous donne une armure, c'est sûrement parce que on va devoir se battre. Oh oh, vous avez survécu à mon labyrinthe. Ok, donc on entre en combat. On va continuer à les épargner, pour être gentil. Donc là, il les a tous flattés. Ok, donc vu que eux, leurs attaques, c'est de tourner... Ah, ok. Donc le monstre a fait une équipe voilà de monstres avec juste des cœurs qui tournent. Du coup, ça nous fait pas mal. On va les épargner. Ouais, voilà, en fait, c'est que des... Aïe! Oh non, je m'y... Putain! Allez! Allez! Chris, je pense que t'as oublié quelque chose. Peut-être qu'on peut essayer d'aller dans l'autre salle. Oh non, en fait, ça... j'avais même pas besoin de faire ça. C'était déjà ouvert. Ah, mais quel débile. Suzy, on était là, s'inquiéter pour toi. Comment t'as passé ces pics d'avant? Oh bah j'ai marché dessus. Suzy, on a besoin de toi pour finir la l'énigme. Des fois, faut procéder à trois. Donc t'entendrais que je dois me lier à vous. Ouais. Ok, donc elle accepte de nous aider. Suzy a joint, enfin rejoint. La fête, enfin. En anglais, ça veut dire en gros qu'elle nous suit.
Suzy. Suzy a une certaine distance qui fait qu'on ne sait pas si elle est avec nous ou pas. Voilà. Allez, faisons ça. Tac, 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 tac. Mais aidez-moi. Ok. Oh. Et Chris, oh, Chris, je viens de réaliser que Suzy a raté le tutoriel. Prochaine bataille, il faudrait lui montrer comment épargner. Enfin, comment parler pour pouvoir épargner. Je pense qu'elle va vraiment adorer ça. Qu'est-ce qu'il fait? Enfin, je sais pas, il fait son de danse. Allez. On va lui parler, le complimenter ou... Ouais, on va l'avertir. Et attends, qu'est-ce que vous faites à avertir l'ennemi? Bah, on veut pas lui faire mal. Bah, lui faire mal, c'est exactement ce qu'il faut faire, bande de débiles. S'il nous attaque, alors on meurt. C'est simple, non? Mais Suzy, voilà, faut... Ok, le problème, c'est que Suzy, elle est team tuée. Alors que nous, on veut pas tuer, en fait. On veut les épargner, parce que on est dans l'optique que ce soit des gens bien, qui obéissent à des ordres, des trucs de ce genre. On a une pièce de puzzle, ou je sais pas trop ce qu'il veut. Et l'enfant, tu veux acheter un tutoriel? C'est juste 50$, non. J'ai dit 50. Non, c'est... Ah ouais, ok, en fait, il est en train de baisser. 1$, allez, s'il te plaît, j'ai besoin de ça maintenant, ok? Vraiment, tu t'as changé d'avis? Ok, super. Donc allons dans le magasin. Et hey, bienvenue, voyageur. Ok, donc il a des bonbons sombres, des burgers sombres, des cartes, une épée qui fait peur. Oh! Amber Card, ça nous met beaucoup de points en plus. Alors que l'épée, ça va nous donner un point d'attaque en supplément. Mais bon, vu qu'on épargne, je pense que ça ne sert à rien. Je vais prendre ça. Ok, je vais lui équiper à lui, parce que c'est peut-être mon préféré. Voilà. Je vais mettre une deuxième armure à Suzy. Tac. Et on va vendre quelques trucs, peut-être. Des items, est-ce qu'on a... Ça, c'est quoi? Glow Shard, j'ai peur d'en avoir besoin plus tard. Acheter peut-être un burger en cas. Et voilà. Super. Il fait peur le mec là, le chat, on dirait un personnage d'un dessin animé, je sais plus trop comment il s'appelle, mais avec des boutons dans les yeux. Allez, on va lui équiper son armure. Quoique je peux m'en équiper une deuxième, ça pourrait. Je sais que c'est égoïste, mais bon. C'est je pense. Voilà, elle a déjà 14 d'attaque, je pense qu'elle est pas à plein main. C'est une porte, mais pour quelques raisons, pour des raisons que tu ignores, tu peux pas passer à l'intérieur. Bien, les clowns sont de retour dans la ville. J'ai créé plein de nouvelles teams de combat qui vont essayer de vous arrêter. Et même pas et même la fille Violette ne pourra pas m'arrêter. Oh, est-ce que vous êtes prêts? Arrête de parler. Oh, oh, oh. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que t'es en train de dire? Pourquoi tu dis ça? Oh, oh, oh. C'est mon rire machiavélique. Ça fait peur, hein? On t'entend comme un bébé Père Noël. Ah, tu veux dire que... Tu veux dire ça d'un mode badass? Ta gueule. Ok. Tu penses vraiment que tu sais comment être terrifiant? Bien, je... Non, pas bien. Les mecs comme toi vraiment m'énervent. Si tu sais pas comment faire peur, je vais devoir prendre ta tête et l'enlever. Comme au début du jeu. Oh, bien. Alors pourquoi tu me le prouverais pas? Allez, commençons par cette partie, là où ta tête sera décrochée. Et là, elle rit bien. Oh, ok, je viens de comprendre. Merci, fille... Putain, purple girl. Seuls les intimes comprendront cette blague. Mais si tu me regardes encore,
Je veux bien que tu laisses un petit commentaire. Quoi? Merci, c'était très gentil de ta part de m'apprendre comment faire peur avec un rire machiavélique. Et c'est pas. Et maintenant, tu vas être trashed, enfin, on va te casser la gueule, quoi. Wouah! Joyeux Noël! Je pense que c'était un type d'amélioration. Ok! Une équipe de Jigsawry nous bloque le passage. Donc on va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec eux. On va essayer d'être amis. On va épargner. Ok. Ah ok, elle se bat alors quoi. Aïe. Aïe aïe. Non. Non non non. Ok. Bon, on va les avertir. Aïe, elle a raté, heureusement. Oh, faire mal aux gens, c'est cool, ok. On partage pas la même avis. Ok. On va être amis avec eux. Et toi, tu peux. Voilà, pacifie. Ok, donc voilà, elle a lancé un sort pour être pacifique. Enfin, de pacification, je sais pas si on dit ça. Ok. Je pense que maintenant on va pouvoir les épargner. Et pro, ils nous attaquent encore s'ils ont changé d'avis. Calmez-vous, les gars. Ok, on va les épargner. Ah, dommage, on a tué un de vos potes, mais c'est pas très grave. On a réussi quand même à vous épargner. Super. Regarde, Chris, notre puzzle, enfin, nouveau puzzle. Oh non. Allons lire les instructions. Quoi? Les instructions sont cassées. Pourquoi ne pas juste escalader la barrière? Pourquoi ne pas juste escalader la barrière? Si on se fait empaler, on meurt. Si ça marche comme ça, t'as qu'à faire ton puzzle. Essaye de ton mieux, Chris. Bah, tout simplement, moi je pense que comme dans un Zelda, on va déplacer les caisses sur les interrupteurs. Bon, c'est bon, je sais ce que je fais. Donc on va déplacer les caisses sur les interrupteurs pour ouvrir la porte. Ouah, tu l'as fait, Chris, bon travail. Bon, c'est bon. La sorte de grenouille là, enfin je sais pas trop ce que c'est là, le mec vert, me fait penser au boss final de Mario USA, enfin chez nous Super Mario Bros 2. Ok, il a l'air content. Donc cette fois là, voilà, c'est bon, j'ai compris le truc. C'est drôle ça. Ah ok, mince, fallait pas que j'aille dessus. Milieu, ok, donc là, tac. Milieu, en haut, hop. Ah, j'ai cru que ça avait changé de pattern, mais ça va. Oh, c'est moyen. J'allais faire la réflexion qu'un truc est sorti du jeu d'échecs. Enfin, sauf si c'est des dames ou. On va pas vous approcher un peu plus parce que sinon on va vous taper jusqu'au sang. Beaucoup de sang en train de gicler partout. Pas bien. Oh. Qu'est-ce qu'il me veut? Hé, la fille violette. Est-ce que c'était. Est-ce que ça faisait peur? Pourquoi tu me demandes ça à moi? Parce que c'est toi qui est super cool et qui est en train d'être terrifiante. Je vais être aussi peu. Enfin, je vais faire aussi peur que toi. Tu veux être comme moi? Ouais! Bien, c'est stupide. Mais le nouveau rire est pas si mauvais. Et quand tu as dit que j'allais me changer en sang, c'est très cool. Mais qu'est-ce que c'est que ce seau? C'est pour mettre le sang dedans? Oh! Est-ce que votre team a un nom officiel ou quelque chose? Ah, Chris! On n'a pas choisi de nom encore. Non, t'en fais pas. Alors c'est décidé, tout le monde met son nom dans le. Enfin tout le monde met le nom qu'il pense pour notre équipe dans le saut.
Bien, tout mon ami, ses suggestions. Alors la bleue, tu peux choisir. Enfin, elle vit part de nous. Un papier au hasard. Les héros légendaires. Les du fun et de l'amitié. Oh, c'est le mien. Ça m'étonne pas. Je pense que c'est le nom parfait. Parce qu'on est tous amis. Et qu'on est en train d'avoir beaucoup de fun. Pourquoi pas juste... le gang fun. Ouais, tu sais, c'est juste la concentration de fun. C'est parfait. Viens, à plus tard, le fun gang. J'ai failli me le prendre. Tac, tac, là. Ok, là, là... Là, là, non, ok, hop, là, ok, ok, ici, là, encore là, et c'est bon, je pense. Ok, ok, donc la dernière fois, il a suffi juste de leur chanter une petite chanson. On va lui rechanter une petite chanson. Voilà. Pff, ok, bon, ça a été radical, un coup d'hache, ça marche toujours. Bien à marcher sur mes bottes. C'est le fun gang. Bah normalement. Ah merde. Il écrase les personnes jusqu'à la mort, donc je pense. Ok, un boss fight. Donc. On va... ça, je sais pas ce qu'elle fait. Ah ok, on s'est... on s'est prosterné. Aïe. Ok. What? Ah oh, merde, ok, il a bu du lait pour se régénérer de la vie. Bon. Je pense qu'il reste plus qu'une chose à faire, on va alors se protéger et utiliser la magie. Je pense qu'on va spammer la magie là jusqu'à qu'ils veulent bien nous épargner. Ah! Ah ok, il suffisait juste d'attendre que la couronne fasse plus effet. Tu as gagné. Ok. On l'a fait. On dirait que oui. Waouh, vous êtes vraiment des zéros. Hein. Ok. Suzy. Pas pour t'ennuyer, mais... Tu nous as vraiment pas aidé. Tu as juste fait les choses aller beaucoup moins bien que... Enfin, tu as juste empiré les choses en attaquant. Tu avais juste été bien, et fait le bien, et que tu as... Voilà, si tu nous avais écouté, on aurait pu esquiver tout le... Ah, merde, vu qu'on l'a pas respecté, elle a entré l'équipe du méchant. Bon, les amis, c'est la fin de cet épisode 2. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve pour l'épisode 3 très prochainement. Et je vous dis à plus. Ciao !